fabrique, c'est un lieu que se sont appropriés les jeunes, en fait, assez rapidement, parce qu'on a investi ce lieu avec les jeunes, au départ. Donc, en matière d'implication dans la vie publique, c'était clairement là participer à la vie, à la réhabilitation de ce lieu, à lui redonner un peu de vie. C'est un lieu structurant sur le territoire parce que c'est un espace qui répond à une demande, en l'occurrence là sur les plus de 15 ans. C'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu de débat aussi, de rencontres, d'échanges. Donc en ce sens, il participe à la vie publique, à la dynamique que l'on souhaite créer au sein de la ville de Blois avec les jeunes. Voilà, il se passe fréquemment des choses ici, des temps de débat sur des problématiques variées. C'est aussi un lieu investi par le Conseil des jeunes, par exemple. Donc un lieu voilà, qui, là aussi, nourrit un certain nombre de réflexions sur des projets, sur des actions à mener collectivement au bénéfice des jeunes, mais là encore, pas seulement, pas uniquement. Ici, il y a une équipe d'animateurs jeunesse qui accompagne des initiatives, qui accompagne du développement de projets, qui écoute aussi tout simplement parfois, parce que parfois on n'est pas du tout à la notion de projet, mais plutôt d'idée ou oh bah tiens, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et en fait, au tout début, quand on a commencé à créer, à mailler le territoire avec les équipements jeunesse, c'est vrai que la part des filles était assez peu importante, était même franchement mineure sur la part des jeunes qu'on pouvait voir sur ces équipements, qui sont accueillis sur ces équipements-là. Aujourd'hui, l'écart se réduit, on est même à l'équilibre hein, quasiment. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça, c'est vrai qu'on partait quand même de loin sur la participation des jeunes femmes et la place qu'on pouvait leur laisser sur ce type d'espace. Donc c'est plutôt engageant. Effectivement, depuis la rentrée 2014 septembre, donc on est à presque 1200 jeunes accueillis, peut-être un peu plus maintenant, j'ai pas les chiffres consolidés là au mois de décembre, mais ça augmente d'année en année. On a doublé le nombre d'heures d'accueil depuis 2009. Alors on a visité deux structures, une structure 11-14 ans. Et une structure plus de 15 ans. Alors, les 11-14 ans, elles participent à la vie locale et à la place des jeunes par son mode de fonctionnement, c'est-à-dire où les jeunes ont leur mot à dire et ont les espaces pour pouvoir participer au fonctionnement, au règlement de la structure, aux activités, aux projets qui sont menés, où ils ont toute leur place active. Et puis, la deuxième structure qu'on a visitée, c'est donc une équipe jeunesse qui est intégrée au sein d'un centre social, où là, leur travail est la place des jeunes dans un centre social, donc dans notre société. C'est-à-dire que comment on donne une place aux jeunes dans un environnement où il n'y a pas que des jeunes. Ce qu'on vient chercher, c'est la découverte d'autres fonctionnements dans d'autres structures, dans une ville aussi importante que Blois. Alors on a un peu de mal à imaginer pouvoir transférer l'ensemble de ces actions sur une commune de 10 000 habitants comme on peut avoir. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de venir voir un peu le fonctionnement, comment on s'organise autour du choix politique, tout ce développement d'animation sur les villes et d'approche auprès des jeunes.